Oui, bonjour. Je voudrais parler à la CPE, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, je voulais vous dire que c'est moi qui ai déclenché l'alarme incendie de la semaine dernière. Et vous savez quoi ? Ben, je vais recommencer. J'espère que cette fois-ci, t'as pensé à cacher ton numéro, parce que là, t'es mal. Tiens. Oui, c'est bien moi, oui. Je viens de votre bureau tout de suite. Mais pourquoi t'as fait ça ? Tu vas être collé jusqu'à la fin de l'année. Ah, Max, attends. T'as oublié ton téléphone en permanence. Ouais, merci. Et au fait, la CPE voulait te voir. Sûrement pour me féliciter de mon travail de délégué. Ouais, sûrement, ça doit être ça. Bon, allez, ciao. Et ça, c'est pour Raphaël. Bien dit. Quand je pense que Sarah a tout fait pour me provoquer, je l'entends encore. Tu n'as jamais compté pour lui. Rien que l'idée de te reparler, ça le rend malade. Heureusement que t'es arrivé à temps pour m'empêcher de m'en prendre à elle. Ouais, et le plus dingue, c'est qu'elle était prête à se laisser agresser pour qu'on te vire du collège. Mais je me demande pourquoi elle fait tout ça. Tu penses qu'elle a des problèmes perso ? Oh non, à mon avis, je pense qu'elle prend juste du plaisir à manipuler les gens et je pense qu'elle va pas en rester là. Hein. Du moment qu'on est ensemble, le reste n'a pas d'importance. Écoute, Flora, voilà. J'ai un truc à te demander par rapport à la fête. Enfin, je voulais savoir si tu voulais y aller avec moi. Alors, ma demande, tu en penses quoi ? J'ai pas trop hésité. Bah, tu sais, moi je suis pas Flora, mais de toute façon, tu peux lui demander. Salut les gars, alors la fête, on en est où ? Les boissons c'est bon, la musique aussi, mais on va le faire où ? Au collège ce week-end, le gardien ne sera pas là. Mais on n'a pas les clés ? Bah justement, je voulais vous en parler, il faudrait les voler. Mais à qui ? J'ai une idée, à Monsieur Jean. En fait, Flora, pour la fête, je voulais te demander, je voulais savoir si tu voulais... Je voulais... Des ballons pour la fête. Bah non, mais c'est une bonne idée. Bon, je compte sur vous pour les ballons et les clés. Magnifique demande. Oh, ça va toi. Et merde, je dois trouver des ballons maintenant. Salut, tu sais si Abia a réussi à convaincre Alex de venir à la fête? Ouais, ils viendront mais ils resteront pas longtemps. Ok, cool, j'ai un plan pour qu'il la laisse enfin tranquille. Raphaël. Salut Chloé, désolé je voulais t'appeler mais à l'hôpital il m'avait pris mon téléphone. T'inquiète, et... je sais ce qui t'est arrivé, que c'est Max qui m'a embrassé et que t'es... Gay, tu peux le dire, c'est pas une maladie. En plus, tout le monde a l'air au courant vu comment on me regarde depuis ce matin. Mais d'ailleurs, pourquoi t'as pas dit que c'était Alex et sa bande qui t'avaient agressé? Parce que sinon, Max aussi aurait pu avoir des ennuis. Après ce qu'il t'a fait, tu le protèges encore? Je voulais pas qu'il s'attirait du collège. Oups, désolé. Alors, la bouffe à l'hôpital, c'était comment? Raphaël, s'il te plaît, reste calme. Si tu le frappes en public, c'est toi qui vas avoir des ennuis. Putain, foutez-lui la paix, là! Tiens, voilà ton petit copain qui va prendre ta défense. Les gars, on se voit plus tard pour une partie de basket. Je suis désolé. Dégage, Max. Tu sais ce que j'ai fait, t'es impardonnable, mais... Dégage! Waouh! Mais c'est magnifique! C'est trop beau! Waouh, je suis choqué! Mais qu'est-ce que vous regardez là? Là-bas, regardez! Mais quoi? Bah là! De là-bas! Là? Oui, oui, non, là-bas! Si. Là-bas, regardez là-bas! C'est trop beau! Je vois rien moi! Hein. Mais c'est, si, là! C'est monsieur. Visible quand même, monsieur! Mais là! Mais Anthony! Non, mais monsieur! Mais alors? Prêt pour la fête? Yes! C'est Nathan qui m'a invité. Arrête de mentir. Non, elle a raison, c'est moi qui l'ai invité. Quoi? Attends, avant que tu t'énerves, je t'explique. Ce matin, elle est venue me voir pour s'excuser de ce qu'elle nous a fait. Ok, et elle avait l'air sincère, je pense qu'il faut lui laisser une seconde chance. Tu vois, j'ai dit que je t'ai pas menti. Merci Nathan de nous laisser une seconde chance. Bye. T'es naïf, hein. Il y a des personnes, elles sont profondément méchantes, mais toi, tu vois toujours le côté positif chez les gens. C'est pour ça que je tombe amoureuse de toi. Quoi? Attends, tu peux répéter, je n'ai pas bien entendu. Tu vois toujours le côté positif chez les gens? Non. Après, j'ai entendu, je suis tombée amoureuse de toi. Ah, amoureuse. Ah non, je m'en souviendrai. Oh bah si. T'es tombée amoureuse de moi. Oh, 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 oh. Désolée, mais Raphaël, j'ai un truc à te dire. Et je veux le faire devant tout le monde. Finalement, on va peut-être finir par s'amuser. Je sais que j'ai merdé la dernière fois, mais je tenais à te dire que je tiens à toi. Comme un frère. Et si tu me pardonnes, je serai toujours là pour toi. Dégage. Tu sais ce que j'ai fait d'impardonnable?
Dégage de là. Attends, viens dans les bras. Que la fête recommence. Viens-moi. Vite, aidez-moi à le transporter ailleurs. Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as perdu connaissance. Non, on a mis quelque chose dans mon verre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais prendre ton téléphone et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Rends-le-moi tout de suite. Pourquoi? Sinon tu viens frapper comme Abby? Ouais, et quand j'en ai fini avec toi, même tes parents te reconnaîtront plus. T'es sûr d'arriver tout seul, pas besoin de tes potes, comme avec Raphaël? Raphaël, je l'ai envoyé à l'hôpital. Toi, je t'ai envoyé à la morgue. Merci pour tes aveux, Alex. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. Tu sais ce qui va se passer? Je récupère mon téléphone, tout est passé, et après je m'occuperai de toi. T'aurais jamais dû être seule avec moi. Qui a dit qu'elle était seule? Écoute-moi bien, Alex. La prochaine fois, tu fous la paix à Abby et à Raphaël, sinon je balance tout ce que j'ai sur toi sur les réseaux sociaux, et là, ton père pourra rien me faire. C'est pas fini, crois-moi. Ça va? Ça va, on tremble un peu, mais ça va. Ça a été incroyable. Ouais, c'est sûr. Eh hey, mais je te connais toi, tu vas tout seulement agresser. Ta gueule!